Devant les enquêteurs, Farid Beignetou explique. Je n'ai pas vraiment cherché de volontaires pour partir combattre. Ce sont les jeunes qui sont venus à moi pour que je leur donne mon avis. Un avis, une référence, c'est ce que recherchait ce garçon, Chérif Kouachi. Nous le voyons sur ces images d'un film associatif tourné durant l'été 2004. Chérif a alors les rêves de beaucoup de jeunes du quartier. C'est un fan de rap, plus prêt à profiter de la vie et des jolies filles que d'aller à la mosquée. En quelques mois, lui aussi va devenir un élève assidu de Farid Beignetou. Et durant ses cours, voilà ce que Farid lui aurait enseigné. Farid m'a dit que les textes donnaient des preuves du bienfait des attentats suicides. C'est écrit dans les textes que c'est bien de mourir en martyr. Chérif est très vite convaincu. Lui aussi veut partir se battre. Sa préparation se fait dans le plus grand amateurisme. 2-3 jogging au parc des Buttes Chaumont. Une rencontre fugace avec un soi-disant spécialiste des armes qui lui explique le maniement d'une Kalachnikov. Grâce au conseil de Farid, mes doutes s'estompaient. Moi, j'avais peur, mais je ne le disais pas. C'est évident que Farid m'a influencé dans mon départ, dans le sens où il donnait une justification à ma mort prochaine. Chérif Kouachi est aujourd'hui en prison, mais vivant. Il le doit peut-être aux policiers qui l'ont arrêté en même temps que Farid Beignetou. Aujourd'hui, avec le recul, il est content de ne pas être parti, ça c'est clair. Yann Bouris, éducateur social, a échangé plusieurs courriers avec Chérif Kouachi depuis le début de sa détention. Il s'est aperçu qu'à cette période, il avait changé, chose qu'il ne s'était pas du tout aperçu à ce moment-là. Et il s'est aperçu qu'il s'est fait rouler dans la farine et embringuer dans quelque chose qu'il a même pas lui maîtrisé, ni il s'en est pas aperçu. Juste avant son arrestation, Chérif Kouachi avait acheté un billet pour la Syrie.